Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite carte pour Pâques. Alors, je ne sais pas comment vous allez, vous, depuis le début de ce confinement. Moi, ça va. Voilà, en même temps, je vous laisse le temps de répondre, hein, parce que maintenant que je sais que vous me répondez et que vous me parlez en même temps, donc voilà, ça me fait plaisir. Donc, je ne suis pas toute seule, je suis avec vous. Donc, aujourd'hui, j'ai découpé quelques papiers pailletés. Et du papier cardstock pour faire une carte de Pâques. Donc j'ai utilisé ce die-là. La référence c'est JAD 122. Je vais utiliser celui-ci, ce joli flocon que j'aime bien utiliser comme fond de fleur aussi. Donc ça c'est la référence HSDJ 016. Donc maintenant dans la boutique Scrap Merveilleux, il y a une sous-catégorie pour les dies. J'ai noté Noël. Donc vous avez des dies avec les tampons, ceux qui vont ensemble, et des basiques aussi où on a tous les ronds, les carrés, voilà, les séries, ovales, étoiles, tout ça. Et ensuite, donc Noël. Et le reste qui reste dans la catégorie de base. Donc cela, ça c'est dans Noël. Et ensuite, je vais utiliser la petite découpe de bordure ainsi que l'œuf de chez Nelly Snellen. Donc c'est SD 125, celui-ci la référence. Bon, des petites fleurs, des dots de chez Crafts Consortium, il y en a plusieurs sortes. Des petites fleurs de chez Prima qui viennent d'arriver. Alors je verrai si je les utilise parce que j'ai fait moi-même plein de petites fleurs. Donc vous avez des tutos aussi sur YouTube, sur la chaîne Scrap Merveilleux. Vous tapez dans la barre de recherche tuto de fleurs et là vous en avez toute une petite panoplie. J'ai découpé des papillons dans le papier neige et le papier pailleté avec des petites perforatrices. Voilà. Donc la bordure d'herbe. Bon, ça c'est un petit feuillage, ça peut servir. La découpe de lapin. Donc je l'ai découpé l'œuf avec le lapin. Donc cette première découpe. Donc découpée une fois dans le papier argenté, à paillettes, pailleté argent. Et un petit bout, juste le bas, qui est découpé dans du papier neige, pailleté blanc. Ensuite, j'ai découpé un bout de cardstock fuchsia. Un apron entier, c'est le même. Un apron entier que je recouperai aussi avec le papier pailleté vert pâle. Et ça, c'est le flocon blanc. On a besoin donc d'un morceau de cardstock qui va mesurer à peu près 13 par 19. Et on le pliera en deux au milieu. Alors, je vais marquer le pli. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. J'ai utilisé une chute de papier du bloc Éclosion de Bonheur. Donc, je prends ce papier vert. Il y a un petit peu de rose et de fuchsia. Je vais utiliser ça. Ça va être ma base pour la carte. Ensuite, vous allez prendre un papier brouillon et vous allez utiliser ce die. Vous allez le poser et au crayon à papier, vous allez faire le tour extérieur et vous allez rajouter presque un demi-centimètre, un bon demi-centimètre autour. Et vous le couperez, ça vous fera votre gabarit. Pour le deuxième, le numéro 2, je l'ai placé comme ça et j'ai juste découpé le tour extérieur. Voilà pour ça. Donc le but du jeu pour commencer, ça va être de faire la base de notre carte. Donc avec le papier blanc, bien sûr, si vous avez coupé votre papier, votre gabarit un petit peu plus grand, vous découperez le cardstock un petit peu plus long aussi. Donc là, moi, je vais le poser dessus. Je vais bien mettre bord à bord ici. Donc je l'ai coupé un petit peu plus grand. Et je vais, avec un crayon, dessiner le contour. Alors je fais ça assez grossièrement puisqu'après le papier sera usé. Voilà. Donc là je vais le découper au ciseau et je vais laisser cette partie-là attachée. Je ne vais pas découper cette partie-là pour que ma carte puisse s'ouvrir et tenir ensemble. Alors, si vous voulez, après, vous pouvez ancrer les bords du papier ou user la carte. Vous voyez, je vais m'arrêter ici.
là, et là je vais la couper en biais aussi. Voilà, ça va me donner ceci. Comme ça on aura à l'intérieur une partie pour écrire, et à l'extérieur aussi. Donc sur cette partie là, soit vous laissez comme ça et vous gommez le crayon. En parlant de gomme, j'ai rentré dans la boutique des gommes carrées qui enlèvent la colle. Vous savez, quand vous avez la colle qui sèche, que ça fait cracra, ben c'est une gomme exprès assez dure qui enlève la colle. Donc voilà pour ce fond. Ensuite, ici, c'est là que je vais découper mon fond avec le papier vert. Donc là, je vais prendre le gabarit numéro 2 pour le découper un peu plus petit que la carte. Comme ça, on aura un fond, un cadre blanc tout autour. Donc là, je prends mon gabarit. Je vais, pareil, dessiner le contour. Vite fait, si vous avez le dies, vous prenez le dies et vous le posez. Voilà. Et là, je vais découper, pareil, ma forme ovoïde. C'est une petite carte vite faite, vite avant Pâques. Vous pouvez la joindre à vos petits chocolats ou fraises tagada si vous avez fait comme moi. Donc ici, je vais user cette partie-là avec le distresseur, ce petit outil. Donc il faut appuyer fortement. Si vous voulez ancrer les bords, vous pouvez aussi. Soit avec du rose ou du fuchsia pour que ça ressorte. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu chabi, on use tout. Alors, en fait, avant de coller cette partie-là, ce que j'aimerais, c'est faire dépasser un petit peu les napperons dentelles, comme ça. Donc, après, il faut voir, voilà, que ça puisse s'ouvrir quand même. Donc, ça s'ouvrira, c'est pas un problème. Donc, là, je l'ai découpé, il est bien trop grand. Mais je pense que je vais mettre une partie ici. Donc, je vais recouper tout ça, c'est pas la peine que je le laisse dessous. On va le garder pour autre chose. Là, je vais le couper comme ça. J'enlève un tiers. Et là, je vais le coller en le laissant dépasser un petit peu sur le côté haut. Je vais faire ça juste avec un bout de double face à l'arrière. Je ne vais pas mettre de la colle partout. Voilà, juste ça. C'est la carte top chrono, hein. Voilà, je vais laisser dépasser comme ça. Ensuite, pour ce côté-là, je vais faire un petit débord aussi avec ce napperon-là. Je vais d'abord regarder ce que ça donne. Voilà, ça me semble intéressant. Je le mets un petit peu plus sur le bas. Voilà, on essaie d'équilibrer. Vous faites comme vous le sentez. Là, pareil, je vais mettre juste un morceau de double face. Bon, j'espère que vous en êtes sorti avec l'album Tini. J'ai vu qui c'est qui m'a mis une photo ce matin de son album réalisé. C'est super joli. Je suis très contente. C'est chouette de voir ce que vous faites. Voilà. Donc ça, je vais le coller directement. Ou alors, je vais rajouter, pour casser un petit peu cette teinte foncée. C'est pas mal ça. Je vais donc couper ce flocon en deux. Et faire un petit peu de lumière sur le foncé. Donc, de manière à ce que ça dépasse de la carte encore, mais qu'on ait encore le rose qui ressorte. Allez, un petit peu de double face. Le but, c'est de faire quand même des superpositions. Est-ce que ça va se voir suffisamment? Pas trop. Il faut que je le mette plus sur l'extérieur. Voilà. Vous vérifiez avant de tout coller. Et cette partie-là, je pourrais la rajouter soit par ici,
pourquoi pas au-dessus. Je vais la mettre par là. C'est pas mal. Ah, je voulais faire passer un petit message aussi. Si vous pouviez éviter de me transférer sur Messenger des chaînes, de tout un tas de choses qui passent. Je regarde l'actualité, donc je vois ce qui passe. C'est très gentil à vous de me transmettre tout ça. Mais comme vous êtes plus de 4500 à me suivre, ben, vous ne pouvez pas savoir le nombre de temps que je dois passer à lire ou à regarder tout ce que vous m'envoyez, et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Après, on ne peut pas faire de tuto. Donc, on va se concentrer sur les priorités. Voilà, sans vouloir vous vexer, bien sûr. Hein. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais j'ai pas le temps de regarder tout et de répondre à tout ça. Donc là, maintenant, je vais coller le papier de fond. J'espère que vous ne vous vexerez pas. Mais je ne peux pas tout regarder. Et puis souvent, ces chaînes sont porteuses de virus. Aussi, quand on transmet des pièces jointes, ça arrive. Ce qui arrive aussi, c'est que souvent, ce sont des fausses informations, des mauvaises informations. Donc, voilà, on s'envoie des choses qui font un petit peu peur pour rien. Ce matin, j'ai vu, oh, le président Macron est parti à son fort de Briançon. Ah, super. Alors, c'était un truc qui datait de 2018, par exemple. Mais après, je passe pas mon temps à regarder. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, les filles, j'ai pas le temps. Ah là là. Donc là, je vais mettre à l'arrière des petites mousses 3D. Alors, je vais mettre du 3 mm. Comme ça, ça va faire une bonne hauteur. Donc, je vais en mettre en bas de l'œuf et derrière la tête du lapin. Pour ici, je vais... voilà, vous avez entendu mon téléphone. Gling, gling, gling. C'est les petites choses qu'on me transmet. Alors, en plus, ça déconcentre. Donc, j'ai découpé la mousse 3D en deux. Et je vais en mettre un petit bout sur le haut aussi. Pour pas que ce soit aplati sur le haut. Alors, c'est pas facile parce que comme c'est tout petit et qu'il faudrait pas que ça se voit. Ah zut, celui-là il collera plus. Il faut pas que ça se voit du devant de la carte. Voilà. Je vais en rajouter un petit bout sur les branches là et un par là. J'espère que vous voyez, parce que là, je ne peux pas zoomer. Enfin, vous avez compris le principe, qu'on met quelques mousses 3D par-ci, par-là, pour avoir la hauteur. Alors, les dies de fraises reviennent demain, pour celles qui avaient raté le premier arrivage. Seront les fraises remontantes. N'importe quoi. Bien rigoler un petit peu. Alors, voilà, je vais centrer l'œuf, comme ça. Essayer de mettre la petite mousse 3D cachée, là. Voilà. Ensuite, je vais rajouter... donc, j'ai redécoupé avec du papier neige blanc le petit lapin et le bas de l'œuf. Après, j'ai coupé ici pour faire comme des herbes et puis pas remettre tout le tour. Donc là, je vais mettre des mousses 3D d'un millimètre et je vais coller le petit lapin, par contre, un petit peu en décalage par rapport au gris pour avoir une perspective. Voilà, donc j'ai mis 5 mousses 3D. C'est suffisant. Voilà, je vais le coller un petit peu en quinconce. Voilà. En décalage. Et ensuite, j'avais ici commencé à découper une petite bordure d'herbe. Donc avec le dies de la bordure. Alors attendez, je vais ranger un petit peu là. Parce
parce que je n'aime pas travailler dans le désordre. Voilà, donc là j'ai pris assez d'espace pour découper ma bordure. Donc normalement la bordure elle fait un seul trait comme ça, toute une longueur. Et moi j'ai enlevé, je l'ai enlevé et j'ai gardé juste le négatif. Et là, du coup, le but ça va être de mettre ici une petite bordure d'herbe. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre mon gabarit. Je vais le poser par ici. Et je vais dessiner cet arrondi là. À peu près. Vous voyez? Pour le superposer encore par-dessus ce qu'on vient de poser. Alors ici, encore un petit bout de vert, voilà. Et là, je vais rajouter deux, trois mousses, là, pour avoir encore de l'herbe. Donc le vert rappelle le vert du fond. Ça me va bien. Donc du 1 mm, là, c'est suffisant. Avec 3 mousses, ça va aussi. Alors vous pouvez aussi faire des petites décos à suspendre, hein. Vous n'avez pas besoin de faire la carte pliée en deux pour ça. Vous faites juste un fond. Voilà, donc déjà ça donne ceci. Moi déjà ça me plaît. Ici on peut refaire une découpe avec du papier à motif pour décorer l'intérieur. Ou un papier uni si on veut pas, si on veut pouvoir écrire dessus. Alors là, j'ai fait donc dans mes petites fleurs diverses et variées, j'ai tout un petit assortiment. Donc je vais rajouter des fleurs pour garnir aussi, parce qu'il en faut un petit peu. Alors celle-ci, elle est peut-être un peu grosse, mais dans les teintes, ça me plaît bien. Voilà, le tout maintenant, c'est de chercher comment accommoder les choses. Là il y a du rose, ça fait un petit rappel avec ici, ou alors on peut se mettre directement à l'opposé. Je pense que je vais en mettre une ici. Donc là c'est une perle qui est faite aussi avec un dyes. Les papiers je les avais teintés avec des encres nacrées. Vous pouvez utiliser les encres en spray de chez Stamperia. Quelques perles de rocaille collé au milieu. Donc ici j'ai un bout, une demi, non je vais pas mettre ça là. Donc maintenant il faut chercher comment assortir les choses. Là c'est pas exactement le même vert celui là je vais pas le mettre. Ça c'est une fleur aussi que j'ai faite. Vous avez tous les tutos sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à regarder. Il y a des fleurs vraiment différentes de plusieurs styles. Soit je fais un petit... j'assemble quelques fleurs ici. Ça me paraît un petit peu gros. Oui, celle-là, elle me plaît bien. Donc là, une superposition de plusieurs tailles différentes. Une perle, quelques paillettes collées. Là, je mets juste de la taquiglu et je vais la coller par ici. Ça fait un rappel avec le fuchsia. Là, c'est pareil, à la perforatrice, dans du papier teinté soi-même. Je vais la coller par ici. En fait, il faudrait que je me rapproche un petit peu du bord, là. Et je vais rajouter aussi des petits papillons. On pourrait mettre un petit nœud aussi. Ouais, ça ferait joli, un petit nœud blanc, là. Cette petite fleur, je vais la coller. J'ai pas mis de feuillage, on pourrait aussi rajouter un feuillage. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais comme j'entends pas vos réponses, ça m'aide pas beaucoup, hein. Et ben je vais la rajouter, oui, parce que je trouve que la couleur va bien avec. Alors je vais la caser par là. Je vais rajouter des petits papillons, une petite de plus, voilà. Pour les papillons, je découpe deux tailles à la perforatrice, donc un grand,
Un grand, 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 c'est un bien grand mot. Ils sont tout petits. Et un encore plus petit avec une autre perforatrice. Là, je le plie en deux pour lui donner un petit relief, un peu de colle. Et je le colle par-dessus. Voilà, je relève les ailes. J'aime bien aussi mettre des petites perles au milieu. Ou alors avec le petit tube de glossy pailleté, de glitter. Je vais en caser un ici, ça se verra pas trop, mais comme je vais mettre l'argenté par-dessus, ce sera discret et en même temps ça ressortira. Voilà. Qu'est-ce que je vais ajouter? Ah oui, je n'ai pas regardé ces jolies petites fleurs là que je viens de recevoir. Alors, c'est super mimi. Les couleurs, elles vont bien avec. Ah ben oui, voilà, je vais pouvoir en rajouter. Alors, les oranges, non. Les vertes rayées, je trouve que c'est sympa. Ça va aussi bien avec. Il y a le petit cœur en strass. Du coup, c'est super joli. Et les roses aussi, les roses foncées. Qui rappellent le fuchsia ici. Allez, je vais en rajouter quelques-unes. Et ben, ce sera pas mal, hein, déjà. Ça fera pas mal. En fait, si vous n'avez pas de fleurs plus grosses, vous pouvez utiliser que celle-ci. Et bien voilà, le rappel de fuchsia, il va être de ce côté. On va camoufler un petit peu. Voilà. Sur le bas, là, c'est un petit peu vide. On peut rajouter quelques fleurs. Je regarde ce qu'il y a. Et ça commence à être pas mal chargé. Hein. Voilà, j'en glisse une à moitié dessous, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? C'est déjà pas mal. Donc on pourrait rajouter des petites perles comme ça. Mais je ne vais pas en mettre. Non, je ne vais pas en mettre parce que je trouve que c'est bien comme ça. Les petites fleurs là, c'est sympa. Ça aussi, les petits papillons. Les découpes sont jolies aussi. Du coup, ça fait de suite sympa. Donc voilà, une petite carte de Pâques, à la limite un petit nœud ici ou un petit ruban qui pendouille si vous voulez l'accrocher, ou alors ici vous faites une perforation et vous mettez un petit ruban ou un nœud. Alors sans le désordre dessous, qu'est-ce que ça donne? Hop là. Voilà, et ben écoutez, bon, j'ai pas décoré l'intérieur. C'est pas tout à fait sec, donc je voudrais pas que tout tombe. Donc voilà, à faire, ouais, à décorer. Et bien voilà une petite carte vite faite que j'espère vous pourrez reproduire chez vous assez facilement. Voilà, ben on se retrouve pour un autre tuto un petit peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai prévu? Je vais faire, j'ai ma petite idée en tête, mais c'est pas encore du tout préparé. Un petit junk journal. On va utiliser de la récup aussi. Voilà, ouais, ouais. J'ai envie de travailler là-dessus, ça changera. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.